Salut, salut, bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus à cette séance quotidienne où nous parlons bien évidemment de cette magnifique technologie de transport à cordes qui s'apprête à occuper plus de 50% du marché mondial du transport. Alors, avec vous ce soir, je suis Donatien Gérard et aussi je fais partie de la Skywalk Community depuis 2000. 19 et chaque jour, aujourd'hui encore, je continue, ok, par tous les moyens possibles de faire connaître ce projet partout dans le monde et je continue d'augmenter mes parts dans le projet parce que je crois fermement, je sais que nous avons la meilleure technologie de transport au monde et nous allons le voir dans la suite de ce déroulé. Tout d'abord, quels sont les différents sujet que nous aborderons ce soir. Dans ce webinaire, nous aborderons les sujets suivants. Le transport à cordes et ses avantages. Quels sont les facteurs négatifs de l'activité de l'homme conduisant à la destruction de l'environnement? Nous verrons les risques et les problèmes des systèmes de sécurité des transports actuels, les possibilités et les perspectives des systèmes de transport innovants, du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport, du Skytransport. Et je vous montrerai comment vous pouvez contribuer donc à l'avènement de ce transport écologique et sûr. Nous verrons par la suite quels avantages et perspectives vous bénéficierez, bien évidemment, de votre participation à ce magnifique projet. Alors, le Skytransport, c'est un transport qui se déplace au-dessus du sol sur des rails à cordes à haute résistance. Il permet d'éviter les embouteillages, les pollutions, parce que le transport est alimenté à l'électricité sans polluer l'atmosphère et peut être conçu sur n'importe quel type de terrain avec n'importe quel type de climat. Donc, il traverse les frontières. Les systèmes de transport aujourd'hui peuvent être évalués sur quatre secteurs différents et ces secteurs permettent d'assurer, de connaître bien évidemment si ce transport est optimal, le plus sûr, le meilleur. Commençons par la sécurité. Ici, dans notre technologie, la structure de trajet est assurée, est située au-dessus du sol. Cela augmente la sécurité de près de 100 fois. Le système de commande automatique permet d'éviter le facteur humain et aussi les embouteillages. L'écologie. Le transport jusqu'à est alimenté par l'électricité. C'est pourquoi il réduit considérablement les échappements polluants dans l'atmosphère. La production de toute l'infrastructure Sky demande beaucoup moins de matériaux et de matières premières que tout autre type de transport. Sky peut être construit dans tous les reliefs, toutes les conditions climatiques. L'économie. Les frais de construction des voies Sky sont jusqu'à 20 fois moins élevés que tout autre type de transport. Les frais de combustible sont de 6 fois moins élevés que pour les autres types de transport. Et par conséquent, le coût de voyage et de transport, bien évidemment, est bas. Le quatrième élément, c'est la vitesse de déplacement. Nos véhicules peuvent aller jusqu'à 500 km par heure pour le transport à grande vitesse. C'est deux fois plus rapide que Sapsan, le train le plus rapide de Russie. Aussi, nous pouvons aller jusqu'à 150 km par heure pour le transport urbain. Et c'est deux fois plus vite que le bus. Et le transport de marchandises aussi peut aller jusqu'à 150 km par heure. Les transports modernes aujourd'hui ont beaucoup, beaucoup de problèmes. L'un des défis pressants du secteur du transport est la croissance constante de la population dans les grandes villes. L'utilisation croissante les transports aggravent les problèmes de congestion, de trafic, d'accidents et de pollution. Les énormes embouteillages à l'entrée et la sortie des grandes villes sont devenus une image courante dans les
pour les citadins, bien évidemment, dans ces conditions, il n'est guère possible de parler d'un trafic interurbain efficace. Que propose donc la technologie U-Sky? La compagnie propose plusieurs véhicules, toutes solutions simplifiées pour le transport de passagers et de marchandises. Regardez sur cette image, vous pouvez voir différents types de modèles. On a le Uint, le Bike, l'U4 210 qui est l'U-Bus et un autre modèle, l'U-Bus 3x6 places également. Et en bas, on a l'U-Pod pour le transport des marchandises et cargos. Le Uint, ou bien qu'on appelle encore U-Vent, qui est un véhicule électrique léger monorail de faible capacité. Ici, c'est une autre image de l'Uint, qui est un véhicule électrique léger monorail de faible capacité de 2 places et l'une des solutions les plus abordables pour la communication de transport avec les zones peu peuplées et éloignées, ainsi que les régions un peu difficiles. Ceci, c'est un véhicule de tourisme, l'Unibike, léger hors-bord monorail avec capacité de 2 places à vitesse de 150 km par heure. À l'avenir, cela pourrait être une alternative au vélo, à la moto et aussi à la voiture. Donc, l'Unibike. Nous avons ici l'Unibus, qui est un véhicule électrique de tourisme. Il est destiné au transport urbain et interurbain. 14 places et il peut aller jusqu'à 150 km par heure. L'Unicar, vitesse de croisière jusqu'à 150 km par heure. Véhicule électrique de passagers à suspension à double rail. Il s'agit d'une voiture électrique élégante et confortable, conçue pour libérer les rues de la ville des embouteillages. Elle fournit le plus de trafic que les trains, les avions conventionnels massifs et aussi coûteux. L'Unicar, donc, voici 3x6 places. Version tropicale. Il a été amélioré pour un fonctionnement dans les climats chauds et une humidité élevée afin de fournir un environnement confortable pour les passagers. Donc, ce véhicule, Unicar Tropical, voici le curateur régional du Cameroun et notre leader du Nigeria qui se retrouve dans ce véhicule magnifique. L'intérieur est magnifique, un confort terrible, qui permet un confort magnifique, okay, qui permet de s'assimiler à une première classe en avion. L'UFLASH, véhicule de tourisme suspendu sur roues en acier conçu pour le trafic interurbain de passagers et de marchandises sur une distance allant jusqu'à 10 000 km. On a 6 places de capacité et vitesse de déplacement qui va jusqu'à 500 km par heure pour le transport à grande vitesse. Le fonctionnement d'un U-Flash pendant 25 ans permet d'économiser 22 000 tonnes de carburant avec un coût de 20 millions de dollars. Ainsi, 1 000 U-Flash avec l'aérodynamique unique, les propriétaires peuvent économiser plus de 20 millions de tonnes de carburant au prix de plus de 20 milliards de dollars. N'est-ce pas super? Qui ne voudrait pas faire autant d'économies? Donc ici, c'est une autre image des leaders africains devant l'UFLASH. Ils tiennent fièrement devant cet UFLASH avec le PDG de notre compagnie. Alors ici, nous avons l'UCONTE, l'UFLASH et l'UNITRUC. Le système de transport est conçu pour transporter les marchandises sur des distances de 500 km. Les complexes de transport de marchandises offrent de nombreuses opportunités aux clients et peuvent fonctionner toute l'année. L'Unitruck est spécialisé dans le transport de marchandises en vrac avec une vitesse allant jusqu'à 150 km par heure avec chargement et déchargement automatique. L'Unicont, utilisé pour le transport des conteneurs maritimes de 20 pieds et 40 pieds.
du trans. C'est la solution optimale donc pour les transports dans les zones minières et les opérations de chargement et déchargement des terminaux portuaires. Cela vous permet d'effectuer rapidement et à moindre coût le transport de volumes importants de matériaux et aussi des petits cailloux. Les ports maritimes. Les principaux avantages de l'utilisation du système de transport de marchandises jusqu'à dans le port sont les suivants. La livraison de marchandises en vrac liquide et encombrante à une distance de 5 à 10 km de la côte. L'amarrage des grands navires ne nécessite pas la création de murs et de quais de dragage ou de renforcement à terre. Il est possible de livrer des marchandises au port maritime situé à une profondeur allant jusqu'à 25 mètres. L'infrastructure portière et les systèmes de transport UST forment un complexe logistique unique pour la livraison de marchandises. Les villes linéaires en union avec la nature. Les pistes Yuskay contribuent au développement des villes linéaires. Les villes linéaires Yuskay peuvent être construites dans les zones de montagne, désertiques et même dans les zones inondées, y compris celles avec les terrains difficiles d'accès et les plateaux marins. U-House, c'est une maison verte écologique et durable, la seule aux Émirats arabes unis entièrement construite à base de bois. Les maisons en bois sont une alternative plus écologique et économique que les maisons traditionnelles en briques et en béton. Cela dit, U-House répond à toutes les normes de sécurité incendie et l'éco-architecture du bureau suit une tendance et les normes mondiales. Comment fonctionne donc cette technologie à cordes? Très simplement, elle fonctionne sur des rails à cordes à haute résistance. La principale technologie, le principal élément technologique, c'est le rail à cordes. Et cette image, vous pouvez voir une vue en section du rail à cordes. On peut voir là la tête du rail en acier. On peut voir préliminairement tendu, tirant des fils d'acier. Les points blancs que vous voyez là sont des fils d'acier qu'on appelle encore les cordes. Ici, nous avons un élément de remplissage qui est le béton, un béton flexible. Et nous avons aussi le corps du rail. Cette technologie de transport à cordes est 5 fois plus lisse et 3 fois plus forte que les technologies de rail conventionnelles. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de construire 3 types de structures de rail à cordes. Les structures de rail flexibles pour une charge utile standard jusqu'à 20 tonnes, mode à basse vitesse jusqu'à 150 km par heure et grande portée jusqu'à 2 km et jusqu'à 5 km en cas d'utilisation de chaînes composites. Nous avons les cordes rigides pour le transport de grands poids jusqu'à 100 tonnes et à grande vitesse, et celui-ci va se situer entre les villes et où la ville et l'aéroport pour les modes de grande vitesse jusqu'à 500 km par heure et pour les petites portées jusqu'à 100 mètres. Et nous avons aussi les structures semi-rigides pour une charge utile améliorée jusqu'à 30 tonnes, mode rapide jusqu'à 350 km par heure et petite portée jusqu'à 50 mètres. Le moteur est toujours à côté de la roue. Ceci a été inventé par le concepteur Dr Anatoly Iniski. Il a déjà obtenu un brevet également pour cela. Les avantages de ce transport sont donc les suivants. Regardez vous-même. Quand la voiture roule sur le sol, l'air peine à circuler normalement. Voilà pourquoi la voiture a besoin de beaucoup d'essence pour pouvoir fonctionner. Les voitures de Formule 1 ont un aérodynamique de 0,2. Avec les engins Yuskay, l'air circule normalement au-dessus et au-dessous, ce qui permet d'aller plus vite et son aérodynamisme est de 0,06. Tu vois, si les véhicules Yuskay passent devant vous, vous n'entendrez même pas les feuilles de l'arbre bouger.
Le fonctionnement d'un U-Flash pendant 25 ans, comme on l'a vu, peut permettre d'économiser jusqu'à 22 000 tonnes, ce qui correspond à 880 tonnes de carburant par an. C'est énorme. Jusqu'à ce que tu passes les analogues de transport existants dans tous les paramètres technologiques. Le coût pour construire est très bas, la maintenance très basse également, la consommation énergétique est basse aussi et la capacité est énorme. L'Académie russe des sciences a affirmé que U-Sky a le système de transport le plus rentable. Regardez-vous même ce tableau. Nous pouvons voir ici une comparaison entre les véhicules électriques les plus sophistiqués et les plus modernes et le transport à cordes, en se rendant compte clairement que ici, U-Sky est, comme les autres, éco-friendly, écologique. On voit qu'il est plus sûr, pas de limite, pas besoin d'un sol plat pour pouvoir être construit. Nos limites, donc, il s'adapte à tout. OK? La vitesse peut aller jusqu'à 600 km par heure, on l'a vu déjà. Et aussi, le coût par kilomètre est jusqu'à 10 fois moins cher que tous les autres systèmes de transport. Imaginez-vous, 10 fois moins cher. On va faire des économies ici. Alors, l'auteur de la technologie, c'est ce monsieur, à tout seigneur, tout honneur, Anatoli Edouardovitch Yunitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche et de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. OK? Il est scientifique et inventeur, auteur de plus de 200 articles scientifiques, 20 monographies et plus de 150 inventions dans les domaines de la construction, des transports et de la construction mécanique et des industries électroniques et chimiques. Le créateur des systèmes de transports spatiaux et géospatiaux, aussi créateur de nombreux projets de transport et d'infrastructures basés sur les technologies à cordes. Il a été chef de projet à l'ONU en 1998 et 2002 et membre de la Fédération cosmonautique de l'USS, fondateur du groupe de société UST, concepteur général du Nisky String Technologies. Alors, ici, c'est une image qui montre les premiers complexes de rails à cordes de la première génération qui ont été construits en 2001 dans la ville d'Oziori, en région de Moscou. À cette époque, le camion ZIL-131 était utilisé comme module de test et ses roues étaient en acier et adaptées sur une structure de voie. Les brevets, certificats et expositions que nous avons déjà reçus. Un certificat international confirmant la conformité du système de gestion de la qualité appliqué par la technologie U-Sky Transport à la norme internationale ISO 9001-2015 est inscrite au registre de l'agence de certification TÜV Thuringen. Le système de gestion de la qualité pratiqué dans la société de conception de projet U-Sky permet de réduire les risques financiers, d'optimiser la procédure opérationnelle, d'augmenter la capacité de production et de réduire les dépenses de production dans les produits développés, augmentant ainsi leur rentabilité et leur attractivité sur le marché international. Vous pouvez vérifier leur validité du certificat à l'aide d'un formulaire spécial sur le site officiel de la société TÜV Thuringen. Okay, voici le certificat qui est tenu sur l'image. Okay. Et ensuite, Uniski Steam Technologies aujourd'hui développe et fabrique des complexes de transport et d'infrastructures conformément aux exigences internationales, ce qui permet d'adapter les produits de l'entreprise à tous les marchés dans les plus brefs délais. L'activité du ST, donc, est basée sur les principes du système international de gestion de la qualité, de l'environnement, de la santé, de la sécurité du travail. Ces approches constituent la base et la clé de la réussite de toutes les exigences pour confirmer la conformité du complexe de transport et d'infrastructures avec les réglementations. Alors, le transport à cordes aux Émirats arabes unis a fait l'objet de plusieurs certifications qui a confirmé que la technologie répondait aussi aux normes de sécurité internationale. L'inspection a touché la structure de trajet, le transport électrique, les supports d'ancrage intermédiaire ainsi que la station de passagers. Les travaux de certification ont eu lieu au centre de recherche UST Inc. à Sharjah. Ça, c'est le document que tenait fièrement le CEO dans l'image précédente. OK. Uniski Steam Technologies également a inscrit
en tant que partenaire fiable et consciencieux pour les activités commerciales en Biélorussie et à l'étranger. Ceci donc est une confirmation de cela, que l'entreprise est inscrite au registre pertinent des entités commerciales par la Chambre de commerce de l'industrie et d'industrie de Biélorussie. Voici ce document. USA Inc. a obtenu le statut d'organisation scientifique. La société a été accréditée par l'Académie nationale des sciences de Biélorussie et le comité d'État pour la science et la technologie de la République de Biélorussie fin avril. Uniski String a reçu le certificat correspondant. L'entreprise a déjà obtenu aujourd'hui plus de 130 brevets dans le monde, de la Chine à l'Australie, participé à de grandes expositions internationales depuis 7 ans et a toujours attiré l'attention de tous les participants. Récemment encore, nous avons la délégation de l'autorité des routes et des transports de Dubaï qui a présenté le plan de développement des transports communs et le modèle Unibike au Salon international InnoTrans 2022. Maintenant, parlons donc des productions et des résultats de l'entreprise. La compagnie propose plusieurs véhicules, toutes solutions simplifiées pour le transport de passagers. UST Inc. présente le premier complexe de transport et d'infrastructures pour l'exploitation commerciale. La société d'ingénierie international, Uniski String Technologies, s'approche de la phase finale de sa mise en œuvre du premier projet à l'application commerciale sur le territoire de l'éco-technoparc Aquarelle, ville de Marina Gorka en Biélorussie. On a conçu un complexe de transport et d'infrastructures Unilight. À ce stade, il a été mis en œuvre en tant que système de transport de marchandises. Un certain nombre de mesures sont prises pour changer la destination du complexe pour le fret et le transport de passagers. La mission et les caractéristiques techniques, les voici. La solution compacte et économique de transport et d'infrastructure UST assurera la réalisation des tâches économiques et sociales de l'éco-technoparc, le transport des visiteurs, des employés ainsi que des marchandises du complexe de Bonlieu sur un territoire de 168 hectares. La livraison aux zones de loisirs, aux rives, des lacs, aux eaux et à d'autres installations. Des représentants ougandais ont visité le centre du Sky. Le domaine touristique en Ouganda offre des possibilités de voyage incroyables. Les touristes peuvent faire des séjours d'une journée ou de plusieurs jours pour découvrir les écosystèmes uniques et voir la faune dans toute sa splendeur. Les technologies de transport et d'infrastructure de U-Sky peuvent être une excellente solution pour de nombreux problèmes logistiques. Les véhicules U-Sky se déplacent au-dessus du sol sur un viaduc de conception unique qui offre un certain nombre d'avantages aérodynamiques optimisés, vitesse accrue, sécurité sans précédent, utilisation rationnelle des terres et des ressources, meilleure vue, minimisation des dommages causés par les transports à l'environnement. Les technologies de transport et d'infrastructure de U-Sky permettront aux touristes de profiter en toute sécurité des vues panoramiques sur la savane depuis les cabines de Unimobile électrique confortable de Uport, d'observer le comportement et la vie des animaux sauvages dans leur habitat naturel sans risquer de les rencontrer sur Terre. Alors, une grande promotion en cours actuellement et s'achève dans 22 jours. OK, 3 semaines. Nous lançons la promotion Skywalk Community Mobile en l'honneur de la sortie de l'application Skywalk Community actualisée. Sur les plateformes Android et iOS, a apparu une nouvelle version de l'application Skywalk Community Mobile pour célébrer cet événement emblématique. Nous avons donc lancé une promotion exceptionnelle, Skywalk Community Mobile. Si vous installez l'application SWC Mobile et autorisez les notifications plus, vous obtiendrez l'accès au forfait spécial de Skywalk Community Mobile à un rabais élevé. À part cela, pendant 5 semaines, ok, nous sommes déjà à la deuxième semaine, vous aurez la possibilité d'obtenir d'autres prix en accomplissant les tâches
parmi lesquels jusqu'à 15 dollars sur votre compte promotionnel, un cashback de 3% sur une restitution en crypto-monnaie valable pendant 14 jours à partir de la date de restitution du compte, un accès illimité au forfait de la Skyward Community Mobile à rabais élevé, et si vous accomplissez toutes les tâches de la promotion pendant toutes les semaines, vous obtiendrez un grand prix qui est l'occasion de visiter le centre d'essai aux Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce que nous avons déjà pu obtenir? Voici le bâtiment de 9 étages qui est situé dans la ville de Minsk, en capitale de Biélorussie. Il est destiné à perfectionner les solutions technologiques les plus essentielles et les importantes de notre entreprise. Cette zone de production, la voilà, et ici nous pouvons voir que le but est de développer et de tester les plus importantes solutions technologiques et savoir-faire clé du transport à cordes, la fabrication des accessoires, appareils composants, essais, ensembles mécaniques et appareils électroniques, tours, production de prototypes également. La zone, extension de la zone de production, comme on peut le voir ici, et nous avons aussi un centre test en Biélorussie sur plus de 36 hectares. L'écotechnopark est le centre de mise en œuvre de démonstration des technologies UST dans la version nord. Il est situé à Marina Gorka, en République de Biélorussie, sur une superficie de plus de 36 hectares. Le même centre, autant pour moi, le centre mène des travaux de recherche et de développement, d'expérimentation et de la technologie liée au complexe de transport, d'infrastructures, de la conception des viaducs. Voici donc cet écotechnoparc. Regardez comment il est magnifique. Et vous voyez ici, il y a un étang, d'accord? Où il y a des poissons qui sont élevés. Généralement, quand il y a des visiteurs là, des délégations gouvernementales, ces poissons sont pêchés et ils leur sont offerts comme repas, okay, pour qu'ils comprennent l'écologie que promeut notre technologie. Alors, voici d'autres images de cet éco-technoparc. Et notre entreprise aujourd'hui combine 86 bureaux d'études, dont un bureau d'études et de technologies spécialisées avec production pilote, des bâtiments et structures, plus de 3 000 unités de machines et d'équipements, 36 hectares de centres de démonstration et de certification et de 6 complexes de transport sur son territoire. Le centre de test du Sky à Sharjah. Nous avons un centre de test du Sky à Sharjah, un deuxième, OK, pour tester les véhicules, la technologie dans un climat chaud. Et voici l'équipe qui travaille en Biélorussie également. Et les voici pendant une réunion. L'équipe est composée de spécialistes hautement qualifiés avec une excellente formation et une expérience de travail avec des projets majeurs dans les plus grandes entreprises du monde. Du Sky Test and Certification Center. Ceci, c'est le centre d'essai aux Émirats Arabes Unis, une superficie de près de 25 hectares. OK? Donc voilà l'équipe qui travaille sur place. Les contacts, ici sont les contacts pour se rendre par exemple au centre de test aux Émirats Arabes Unis. Il faut les contacter pour pouvoir prendre un rendez-vous. Ici, c'est les contacts pour se rendre à Marina Gorka en Biélorussie. Donc, le magnifique nouveau site du Nisqy String Technologies, un nouveau site a été mis sur pied, UST.inc. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de rejoindre ce projet et de pouvoir devenir copropriétaire de cette magnifique technologie. Tout le monde a la possibilité d'investir. Nous offrons, OK, nous offrons tout type, nous offrons des packs d'investissement flexibles pour tout type de personnes et des paiements divisés sur 10 mois. Aujourd'hui, nous avons plus de 400 000 personnes qui sont investisseurs dans le projet, parmi lesquels des hommes d'affaires, des ingénieurs, des personnes de différentes professions, des enseignants. Tout le monde peut participer. À partir d'un budget minimum de 50 dollars, comme je le disais. Nous sommes aujourd'hui dans plus de 200 pays à travers le monde. OK. En participant aujourd'hui au développement du projet international de transport à cordes, qu'est-ce que vous gagnerez? Tout d'abord, des dividendes. Ouais. Des dividendes de la mise en œuvre réussie et la commercialisation, les bénéfices
obtenus par l'entreprise, 20% seront répartis à tous ceux qui seront actionnaires. Chacun recevra bien évidemment en fonction du nombre d'actions qu'il détient dans le projet. Après, nous avons le rachat des parts. La direction de la société peut annoncer un rachat des parts. Elle a déjà fait en 2018 et en 2020, où les investisseurs ont la possibilité d'échanger leurs parts de manière plusieurs fois rentable. L'héritage. Les parts sont votre propriété. Vous pourrez les léguer à vos enfants en héritage. L'entrée en bourse. La valeur actuelle des parts est plusieurs fois inférieure à la valeur nominale d'un dollar. Dans le cas où la société déciderait d'entrer en bourse, la valeur des parts pourrait donc augmenter plusieurs fois. Donc, vous avez la possibilité aujourd'hui de nous suivre sur les réseaux sociaux, Vécontech, Facebook et aussi Instagram. Je vous souhaite une bonne soirée et merci pour votre écoute. À la prochaine.